Tout d'abord, toute réussite vient d'Allah Azzawajal et tout égarement vient de moi ou de Shaitan. Et que je puisse être petit à mes yeux et grand aux yeux d'Allah Azzawajal. Donc si j'ai eu de la science, c'est que par la volonté d'Allah Azzawajal. Donc c'est pas moi qui ai de l'intelligence. Ce morceau-là, je l'ai vécu parce que j'ai eu un cancer il y a quelques années. Et puis j'ai eu ce cancer. Et ce cancer est la meilleure chose qui me soit arrivée. Si vous voulez de l'aide, demandez à celui qui peut vous aider. Demandez à celui qui détient votre destin dans sa main. اللهم ثبتهم على الإيمان وارزقهم أعلى الجنان كما رزقتهم هداية القرآن بالقرآن اهتديت بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله نور الحنان آية غيرت حياة شخص أخرجته من الظلمات إلى النور استغربت وكل فريق الإعداد استغرب وأنا أدري أن أنتم مستغربين واحد يدخل الإسلام بآية واقتلوهم حيث ثقفتموهم هذا هو إعجاز القرآن سبحان الله ما راح أطيل عليكم راح تعرفون هذه القصة هذه المدرسة الآن اللي بجانبي هي مدرسة جاء هذا الشخص الذكي البلجيكي هو أذكى من قابلت سبحان الله عندما جاء إلى هذه المدرسة ليسأل عن الإسلام أصبح الآن مديراً في هذه المدرسة تابعوا معي هذه القصة الجميلة غريغوري مانويل راميس أو كما سمى نفسه بعد الإسلام بلال كان مسيحياً ملتزماً بتعاليم الكنيسة كان يحب المنطق ويعشق البحث والقراءة بدأت علاقته بالإسلام في حصة التاريخ بالمرحلة الثانوية j'étais en secondaire en dernière année du secondaire en terminale et le professeur d'histoire qui était quelqu'un de très correct scientifiquement toujours très juste est venu avec le thème du Moyen-Orient, donc du Proche-Orient et Moyen-Orient. Et on a vu l'aspect économique, l'aspect historique, et puis on est arrivé au culte, et donc à la religion de l'islam. Et à ce moment-là, il a commencé son cours de manière inhabituelle. Il a apporté le morceau d'un verset, le verset 191 de la Sourate Al-Baqara, en commençant « Tuez-les où que vous les trouviez ». Et il a demandé notre avis. Et à ce moment-là, tout le monde, parce que j'étais dans une école où il n'y avait pas de musulmans, tout le monde a commencé à insulter les Maghrébins, les Marocains, les Arabes. Et c'était très, très violent. Et j'étais étonné de ce professeur qui laisse faire ça. Et juste après, il a calmé tout le monde en disant « Ici, je parle d'une religion et vous me parlez de race. » Alors que d'un point de vue sociologique, le pays le plus musulman est l'Indonésie. Donc, vous devriez dire les citrons, les jaunes, les bridés. Donc, ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Et ici, c'est là où il a apporté, alors que lui, il se disait non-croyant, il a apporté simplement la rigueur scientifique de l'approche d'un texte. Et en même temps, de ce texte qui est le Coran, avec ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Et le contexte de pourquoi, donc Asbab Nuzul. Et à ce moment-là, ça m'a réveillé. Kharaj Bilal min al-Fasl. متوجه إلى ساحة اللعب مثل أي طالب ولكن ما زالت كلمات المدرس ترن في أذنه رجع بلال إلى البيت وبدأ يبحث عن الإسلام دون أي تأثيرات جانبية كم استغرق معك الوقت من هذه الآية وسماعها من المدرس إلى أن دخلت الإسلام كم استغرق وقت البحث
Entre les deux, il y a eu entre un an et demi, donc où après j'ai assumé, donc, j'ai appris, j'ai lu, et puis après, après un an et demi, deux ans, j'ai assumé mon choix et donc j'ai fait la Shahada et j'ai acté d'être musulman. Vu que quand je me suis converti, plusieurs personnes ont voulu me faire dire la Shahada. Donc j'ai dit à plusieurs endroits. Mais l'endroit où je me rappelle, c'est dans l'école où je faisais mes études pour être professeur et professeur de religion catholique. C'est là où je me rappelle parce qu'il y avait d'autres enseignants et qui étaient musulmans. Et alors ils ont dit, il faut que tu fasses la Shahada. Et alors, voilà. C'est le plus loin que je me rappelle de l'avoir dit, c'est à cet endroit-là. Cheikh Bilal, mashallah, tabarak al-Rahman, عندما نطقت الشهادة, ما هو شعورك, قلبك, وأين كان المكان؟ السلام, la paix. et un poids qui s'en va. هناك أمر حقيقة لفت انتباهي, أن الآية التي دخل بها الإسلام وأثرت به في سورة البقرة, واقتلوهم حيث ثقفتموهم. سبحان الله, دخل بآية واقتلوهم حيث ثقفتموهم, وعندما دخل في الإسلام شعر بالسلام الشيخ بلال, ما شاء الله تبارك الرحمن. قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق, يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة. قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق, يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة. الله سبحانه وتعالى يقول واقتلوهم حيث ثقفتموهم. هذه الآية العظيمة فيها بيان في حالة الإسلام في الحرب, والإسلام عزيز. أما دون ذلك فالإسلام دين سلام. وتبين الآيات التي بعدها عندما يقول الله سبحانه وتعالى فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. هذا هو الإسلام, دين سلام, ولكن يخفى على كثير من الناس. الآيات تمر علينا وتمر على الكثير, ولكن عند بلال لم تمر مرور الكرام. Tout d'abord, toute réussite vient d'Allah Azzawajal et tout égarement vient de moi ou de Shaitan, et que je puisse être petit à mes yeux et grand aux yeux d'Allah Azzawajal. Donc si j'ai eu de la science, c'est que par la volonté d'Allah Azzawajal. Donc c'est pas moi qui ai de l'intelligence. C'est une première chose. Deuxième chose, à partir du moment où une religion reprend les enseignements que moi je connaissais, parce que j'étais chrétien, pratiquant, j'aidais ma communauté chrétienne ici à Bruxelles, en Belgique, en Europe, et j'étais vraiment investi. Si une religion dit qu'elle reprend les enseignements d'Abraham, de Adam, de Noé, de Moïse, de Jésus, à partir de ce moment-là, ça ne peut pas être quelque chose de mauvais. C'est impossible. Et donc, c'est là où ma curiosité a été attirée. Parce qu'on peut, on ne peut pas arriver à du mauvais avec Adam, Nour, Ibrahim, Isa, Issalem. C'est impossible. فؤاديها بات الليالي قاسيا, ما عدت أدري ما الضياء إلا مع القرآن. نحن الآن نجلس أنا والشيخ بلال في مسجد رابطة العالم الإسلامي في بلجيكا, وتحديدا في بروكس العاصمة. نجلس مع الشيخ بلال, وهذا المسجد له شيخ بلال معك قصة في دخولك الإسلام. C'est vrai que c'est ici que j'ai eu ma première prière à la mosquée. C'est ici que j'ai suivi des cours pendant plus de 4 à 5 ans. C'est toujours une émotion particulière parce que ça rappelle des souvenirs. Si je peux me permettre, aux personnes non musulmanes qui nous regarderaient, sachez que l'islam est facile et pratique et surtout utile, car elle donne un sens à notre vie. Elle nous explique comment vivre et comment bien vivre. Et l'islam nous rappelle que finalement, si on fait un voyage, l'important, ce n'est pas le temps qu'on passe dans l'avion, c'est à l'atterrissage. Où veut-on arriver?
Veut-on arriver dans un endroit paradisiaque ou veut-on arriver dans un endroit un petit peu difficile? La réponse, elle est là. Notre vie, c'est le passage dans cet avion. Et l'atterrissage, c'est notre mort. Donc ce n'est pas si grave que ça, la mort, car ça nous ouvre réellement la vraie destination. Le pourquoi on a été créé est tout simplement d'adorer celui qui nous a créés. Alors, honnêtement, si vous réfléchissez un tout petit peu, et si vous avez regardé le programme, ouvrez un Coran et lisez-le. Dans votre langue, lisez-le. Et vous verrez l'effet qu'il aura sur vous. Et Dieu seul sait. تجيب ذاك النداء ثبتني يا الله على طريق الهدى ثبتني يا الله على طريق الهدى فكل ما أخشى سوء الختام غدا قربي القرآن برحمه تحلو الحياة روحي للإله بالقرآن برحمه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله كان المدى أشواك حتى كسه الندى والقلب قد أرضاك يا رب حين اهتدى يا رب حين اهتدى. Alors, ma vie pour l'instant, elle est très simple. Je travaille donc à l'école en tant que directeur la journée et les week-ends, je vais à l'université par rapport à l'éducation. Donc vraiment, je fais de mon maximum par rapport à l'éducation. Pour aider la communauté musulmane ici à Bruxelles et en Belgique. بعد إسلامه ابتلاه الله سبحانه وتعالى بمرض السرطان عافانا الله وإياكم. فكيف واجه هذا البلاء؟ واجهه بتدبر القرآن فصبره الله وثبته. Il y a dans la sourate Al-Baqara, la fin de la sourate Al-Baqara me touche énormément parce que c'est spécialement aucune âme n'est éprouvée plus que ses capacités. Ce morceau-là, je l'ai vécu parce que j'ai eu un cancer il y a quelques années. Donc j'étais déjà converti, alhamdoulilah, et avec un cheminement qui était mon cheminement, petit à petit. Et puis j'ai eu ce cancer, et ce cancer est la meilleure chose qui me soit arrivée. Pour moi, c'était une marque d'amour. Qu'Allah Azzawajal m'a pris dans ses mains et puis m'a remis. Et ce verset-là me montre une chose, c'est qu'il peut avoir des difficultés, mais ma capacité que Allah Azzawajal m'a donnée, en moi ou autour de moi, c'est pour ça que la sourate Al-Asr, Tawbat Al-Asr, avec les autres, j'aurai toujours la capacité d'affronter une difficulté. Même si la difficulté a l'air énorme, c'est une marque d'amour. Je sais que Allah Azzawajal m'a promis dans la sourate Al-Baqara que je vais affronter cette difficulté. Parce qu'aucune âme n'est éprouvée plus que cette que sa capacité. Jamais. Donc, subhanallah, quoi qu'il arrive, j'aurai la paix. La vraie personne qui a souffert, c'est mon épouse, qui s'est occupée de moi pendant des mois et des mois, pendant que je faisais les chimiothérapies, pendant que je ne savais pas me lever, pendant que j'étais vraiment souffrant. Et finalement, c'est elle qui a subi. Et alhamdoulilah, Zogel lui a donné la patience et l'endurance. Et c'était plus une épreuve pour elle que pour moi, parce qu'en réalité, c'était un moment presque savoureux parce que ça me permettait de mettre entre parenthèses la vie pour savoir ce que c'était la vie et à quoi elle servait. البعض يقول ان الله سبحانه وتعالى ابتلاه بمرض وتقولون خير وين هذا الخير بلال لما قعد مع اصحابه قالوا له انت بعد ما اسلمت الله سبحانه وتعالى ابتلاك بهذا المرض وتقول ان الله سبحانه وتعالى يحبك
شوفوا رد بلال عليهم. Et je leur donne un simple exemple. Je leur demande, réfléchissez. On dit qu'une femme, une mère, a cassé le bras de son enfant. Qu'est-ce qu'on va penser ? C'est pas bien, c'est ceci. C'est... Maintenant, on va dire, l'enfant allait traverser la rue, la voiture arrivait. La mère a vu la voiture, elle a pris l'enfant. Maintenant, je redis la phrase. Une mère a cassé le bras de son enfant. Qu'est-ce qu'on en pense maintenant ? Alhamdulillah, c'est une bonne mère. C'est exactement la même chose. Nous, nous sommes l'enfant. On ne se rend pas compte. On ne voit rien. On ne voit pas les voitures. On ne voit pas ce qui se passe. Et Allah Azzawajal, lui, il voit ce qui se passe et ce qui est bien pour nous. Et c'est là où on a confiance en lui. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il nous arrive, c'est que c'est un bien pour nous. Et heureux est le croyant, car quand il lui arrive un bien, pour lui c'est un bien. Et quand il lui arrive un mal, pour lui c'est un bien. Par rapport à la maladie, donc au cancer que j'ai eu, ça a permis aussi de faire de trier les vrais amis des faux amis, les bons amis des mauvais amis. Et donc finalement, ça m'a purifié à l'intérieur de mon corps, ça a purifié, Inch'Allah Azzawajal, mon âme, ça a aussi rabaissé mon nefs, et ça a purifié les mauvaises fréquentations. أي شخص يدخل الإسلام يشعر بالخوف أمام أهله يعني يحاربونه أهله مثلا هل أنت يعني حدث لك هذا الأمر؟ bien sûr oui et en fait j'ai été élevé par ma grand-mère parce que j'ai jamais connu mon père et ma mère est décédée et c'est ma grand-mère qui m'a élevé qui était très croyante qui allait à l'église et c'est avec elle que vraiment j'ai connu la voix de Dieu et elle a vécu ça comme une trahison le fait que je devienne musulman. Et maintenant, c'est celle dans la famille qui accepte le plus. Parce que elle a eu 5 enfants et j'étais le 6e qu'elle a élevé. Et je suis celui qui s'occupe le plus d'elle. C'est elle qui le dit. Elle dit, lui, il s'occupe bien de moi. Donc, je peux venir. Et elle accepte mon épouse avec le foulard, les enfants, la viande halal. Il n'y a pas de problème. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala bina. أنه سهل لنا طريق التوبة والرجوع إليه وهذه نعمة عظيمة قد لا يدركها كثير من الناس. Et ça c'est très important et aussi ce qui est beau dans l'islam et qui moi m'a attiré aussi pour me convertir pour devenir musulman c'est que on peut œuvrer comme les gens de l'enfer et arriver à une coudée de l'enfer et faire les actes des gens du paradis et y entrer. Ça veut dire que c'est jamais trop tard. Et comme dans un autre verset, dont j'ai oublié la sourate, subhanallah, ô vous qui avez péché à votre propre détriment, ne désespérez pas en la miséricorde d'Allah Azzawajal. Il ne faut jamais désespérer, c'est jamais trop tard. رسالة عظيمة قدمها بلال من قلبه إلى كل مسلم. La porte du repentir est ouverte pour n'importe qui et pour tout le monde. Une seule condition. La ilaha illallah. Une seule condition. La compréhension de cette phrase, une seule condition, l'acceptation de cette phrase, une seule condition, faire du mieux que l'on peut. Si je peux un tout petit peu, je le fais. Si je peux beaucoup, j'essaye de le faire. Et ce n'est jamais trop tard. Jamais, jamais, Allah Azzawajal ne vous laissera seul. Si vous voulez de l'aide, demandez à celui qui peut vous aider. Demandez à celui qui détient votre destin dans sa main. Demandez-lui. بعد نهاية كل حلقة وبعد نهاية كل لقاء مع من دخل الإسلام وهداه الله سبحانه وتعالى ودخل في الإسلام نحقق كل ما يتمناه من عمل خيري بعد نهاية هذه الحلقة. Ici le projet que je voudrais vraiment pouvoir soutenir c'est dans les trois écoles reconnues par l'État belge, les trois écoles islamiques, El Ghazali, El Kalam et la Vertu, qu'on puisse faire des cours pour les enseignants et pour les enfants de Coran pour vraiment comprendre le Coran, le vivre le Coran, pour qu'ils puissent se dire qu'est-ce que le Coran attend de moi, et pour que le Coran soit la lumière de leur vie.
et pour qu'ils puissent appliquer le Coran. Le connaître ici, le connaître ici et le connaître ici. موقع نون دعموا هذا المشروع بإذن الله وسيتحقق بإذن الله عز وجل. أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت فيشرق صبح والحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب القرآن.